qui en courra. Hein. Ouais, bah allez, check. Mais ce serait étonnant qu'il n'y ait pas, quoi. Qu'il n'y soit pas. Qu'il n'y fût point parmi nous. Le pop étant aléatoire, le fait qu'il y ait un gobelin ne veut rien dire, on me dit. Qui a dit ça? Dans le chat. Ah, est-ce que c'est un astronaute, Fraser Turner, médecin, complotiste? Pour l'instant, il n'y a rien. Pas d'infos. Putain, du coup, j'ai arrêté de tuer un gobelin, on a raté un gobelin. Bizarre. Bah non, il y est pas. Attends, ouais, là, c'est un boss. Dans le donjon? Ouais, c'est juste un boss. Là. Non, non, là, ce sera juste le boss. Ouais. Et ça me semblerait bizarre que le Butcher ait despawn juste parce que entre guillemets vous ayez mis longtemps à arriver sur lui. Parce qu'il peut despawn si jamais vous mettez trop longtemps à le tuer. Ou qu'il est plus de cible à focus. Mais il despawn avant même de le voir, ça me paraît chelou parce que. Enfin, il y a sur un échantillon de plus de 2000 heures de jeu, en cumulant moi et toutes les personnes avec qui j'ai pu jouer en. De manière aiguë sur D4. Après, y a des bugs aussi sur le... Gobelin, c'est Butcher. A tous les coups. Au pire, on va pas revenir dans le donjon, ça se trouve, il est tout là-haut. Ça. Enfin, dans le seul endroit où on n'a pas de check. Peut-être. Il faut peut-être tuer le gobelin, non, ça en a marre. Alors moi ça vaut le coup de vérifier mais putain dommage, ça m'a hypé. Ça y est, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Et non, je fais des dégâts. Moi je vais y aller hein. Qu'est-ce qu'ils en pensent sur le live? Je fais des dégâts ou je fais des dégâts? La question est là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux? Vous trouvez ça mieux que la build de... Avec le bizarre là, bon, déjà c'est plus simple à jouer, hein, honnêtement. Ce qui m'étonne quand même sur la petite alcove là. Je suis broken carrément. Mitraillette à glaçon, hein, ça fait des dégâts, ok. Je sais pas pourquoi j'ai une fausse impression, c'est beaucoup mieux. Imagine KitOS, non mais vous comprenez pas. En fait, si on push pas le Butcher, qui est des points, des points faciles à aller chercher le lead, bah. En dehors, quand il est fatigué, là, pour il, moi... parler, il fait des quintuplés bucco. Pour moi, on l'aurait entendu en fait. Bah ouais. Oh putain, tu m'as fait peur, ça, le chien. Je le fais bien, hein. Je suis fait pour faire des voix. Ah bah non, c'est pas ici. Hein. Oh, j'ai été le spectateur, c'est tueur. L'ouvni, je vais t'offrir un abonnement. Même dans mon pastaga, il n'y a pas autant de rafales de glaçons. Allez hop, un abonnement pour l'ouvni, bon esprit. Voilà. Paix aux âmes de bonne volonté. Allez, ça me fait plaisir. Bienvenue sur la TV, poteau. Putain, je suis dégoûté. Bon, il y est pas alors? Bah franchement, vous avez littéralement l'échantillon qui confirme la règle du... J'ai dû faire proc des centaines de mouchers. Vous avez pas fait là, il y a une zone d'ombre là qui a pas été faite hein. Non, je l'ai fait, je vais vérifier. Ouais. Ouais, il l'a fait. Franchement, j'ai dû taper plus de 100 bouchers et à chaque fois il y a un gobelin. C'est vraiment. Oh, bah le golem, il est là mais fresh meat. Oui, non mais là de toute façon, vu la quantité de donjons que vous avez à faire, vous allez logiquement tomber dessus, c'est sûr mais bon. Oula, je bug. Divan que j'ai un nouveau PC, je te le dis. Là, c'est une catastrophe. C'est bon, tu peux encore tenir 10 heures ou pas, Iris? S'il faut et que ça vous tienne à la reine, je le ferai toutes les heures qu'il faudra. Copain, te rends pas malade. Ça me plaît pas, moi, d'entendre ça. Dis-moi. Permet de garder espoir et que je te donnerai tout pour qu'on gagne. Et qu'on y arrive. Écoutez, ce qu'on peut faire, je peux me proposer un planning. Aïe, attends, je m'étire un peu. C'est le moment difficile du live. Ok. Seven, j'ai trouvé des bots qui sont pas mal, j'ai besoin de tes conseils. De toute façon, c'est simple. Si c'est du jaune et qu'il vous donne du vert, vous le mettez.
Oui, mais tu te rappelles que mes bottes, elles m'empêchent de tomber. Si vous êtes blessé lorsque vous subissez des pertes de contrôle. Ouais, mais c'est un aspect que tu peux retrouver dans le codex, donc tu mets les vertes et tu refoules l'aspect codex dedans. Et sûr que j'ai dans le codex, hein. Parce que ça met plus 1 à Nova de givre, donc comme je suis sur Nova. Ça te met actuellement plus Nova de... Ouais, bah écoute, vas-y. Nickel. Plus... Ah oui, non, mais là, c'est plus 2. On s'en fout. Le plus 1 Nova de givre plus 1 téléportation, préfère celui qui te donne le plus d'armure. Plus d'armure, vous mettez sur les armures. Plus de dégâts, vous mettez sur les armes, c'est tout. Moi, je reviens, Jupiter. T'as besoin de combien de temps, Iris, dis-moi. Moi, j'ai pas besoin de pause, hein. Si, tu m'as parlé que tu voulais faire une pause, déjà. Non, c'est bon, t'inquiète. Mais c'est une blague, je rigole, Iris. Allez, oui, combien t'as besoin? De 10 minutes? Non, pas besoin de pause, c'est 5. Bon, on continue. Aucune, 0. Allez, 3. 0. Allez, Iris, je n'accepterai pas que tu joues de façon fatiguée et en plus de ça, tu as plus de chances de mourir, donc... Récupère, tu as besoin de combien, voilà, Iris? Je te repose. Ah, Iris, ça va? T'inquiète, je vous suis dans les donjons, toi, ouais. Non, moi, ce que je peux te proposer, vous me dites si vous êtes chaud. Petite pause, jusqu'à 18h30. Et on fait 18h30, 17h. Non, hors de question, je ne fais pas une nuit blanche. Lui gâche ça. Mais c'est pas grave, on peut jouer sans lui. Pas non. Je t'avais choisi dans la line-up parce que je pensais que t'étais l'homme à toute épreuve. À toute épreuve? Tant que ça inclut pas mon rythme. Mais ton rythme, on en a rien à foutre. Tu fais de la piscine. Une fois que t'es éclaté, tu vas dormir dans la piscine et on en parle plus. Tu peux pas me faire ça. Tout. Non. Pas non. Une nuit. Ça t'intéresse de savoir que j'ai des problèmes. Après, chanteur froide. C'est la fête des pères et tout, les gars. Il est en buff fête des pères. Je dois prendre deux semaines pour me recaler. Ça encule mes qualités stream. Je peux plus stream le matin. Non, c'est un autre rôle. Ça va juste ruiner ma vie, vraiment. J'ai pas envie. Une. Voilà, non, une, pas deux. Non, ça va ruiner ma vie. J'ai pas envie. Tu veux que je vienne chez toi demain et je te sers à manger quand tu seras éclaté? Je m'occupe de toi pendant une semaine, si tu veux. Ah, tu mets les couches. Écoute, j'ai de l'XP avec des mecs. Je suis prêt à faire tous les sacrifices possibles pour cette nuit là. Bah oui, j'ai bien compris, mais ce n'est pas possible. Moi, de base, c'est bon, moi je suis dedans, moi j'ai pas le choix. Je fais ce que tu veux, y'a pas de soucis. Je peux dormir, allez, 3-4 heures même si t'as envie, je mettrai un réveil et tout. Je ne nique pas mon rythme de vie. Écoute, j'ai un truc à te proposer. Ouais. On se couche à minuit. C'est quand même tôt. Ouais. Ouais, on se relève à quelle heure? Et tu te lèves à 1h30. Les chiens. Mais dans ton histoire là, moi, tu n'es pas intéressé par ce que j'ai envie de faire ou pas. T'as mal les couilles. Moi, de base, je suis embarqué, ça. Ben, sur le papier. Est-ce que réellement, que tu sois connecté ou pas, est-ce que la run va vraiment changer, on va dire, en termes de level, vu qu'on est arrivé au niveau 50 et que ça commence à être lent? Attendez, en vrai. Ouais, en vrai. Voilà, c'est ça. En vrai, de vrai. En vrai. Là, avec le build de Bob et ta spé trombe, vous irez mille fois moins vite. Enfin, mille fois. Vous irez beaucoup moins vite que si Pandore est là. Mais si vraiment il doit dormir, vous pouvez très bien faire des trucs à 3. Donc là, t'es en train de me dire que potentiellement Bob le Gob pourrait faire nuit blanche le jour de la fête des pères pour rush parce que attends, il faut remettre en contexte, jusqu'à 17h là, du coup demain, et il va chercher son fils au karaté à 17h pour le voir combattre au box. Voilà, donc c'est Bob là match. Il est parti pour 30 heures debout avec l'aspect givre et il récupère son fils à 17h au tournoi de boxe, c'est ça? Non, c'est son premier frérot. Match de boxe, t'écoutes rien. Oui, mais ça enlève pas que tu as 30 heures dans le cul quoi quand t'arrives. Il a 10 ans et il va monter sur le ring à 10 ans, c'est pas beau? C'est beau, c'est beau. Bob. Jacques, j'ai dû convaincre ma femme. Bob, en vrai. Ouais. En attendant, Simon, fais ta compagne. Hein. Ah non, bah non, pas 4. Ça dit quoi le stuff, Simon, là? Ça dit quoi le stuff? J'ai rien de En vrai, là, je suis vide. Mais comment ça, t'as rien? Mais j'ai droppé 4 paires de bottes, frérot. Je fais quoi avec ça? Alors, c'est très simple. Appuie sur I. Enfin, oui. Ouvre ton inventaire. Oui. Ok. Donc là... Ce que tu vas faire, c'est que tu bouges ton cul un peu ou comment on fait? Alors, en fait, si je fais pas le Uber de donjon, personne ne se bouge le cul, là. Ouais, c'est ça, dépêche-toi. Le Uber bagarre. Et puis moi, je mange du jambon, là.
Ah, moi aussi, oh là. Et bon. En vrai. Je vais prendre un peu de paint. En vrai. En vrai. Sinon, on regarde leur stream et dès qu'il y en a un qui meurt, on se reconnecte en. En plus, si Sixen était en mode pause jusqu'à 18h30, donc je comprends pas là, on fait quoi. Mais en fait, mais je voulais proposer un truc. Accélère, on fait rien. Levez la main là, les gars, il faut vraiment être concentré, c'est comme si on était à Koh Lanta. Je fais une réunion. Attends, il faut la musique. Attends, je suis désolé, je peux pas. Musique Koh Lanta. Musique Koh Lanta. Le totem, je vais coller l'unité. Voilà. Donc là, vous dites plus rien. On perd du temps. Mais attends, mais t'as une arme légendaire à l'unité, c'est quoi? Mais oui, parce que j'ai mis des aspects sur mes... Voilà. Ah, okay, okay. Vous entendez un peu la musique? Non, vous entendez pas. Je sais pas, mais j'entends mon écho. 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 C'est peut-être parce que j'écoute sur ça, attends. Écho. Là, vous entendez? Attends, mais c'est qui? Écho. C'était chez moi, mais c'était chez moi. Vous entendez pas Koh Lanta là? Non. Non. Et ouais. Ce qu'on veut, c'est jouer. Pardon, en fait, dans le jeu ou quoi? J'aimerais bien savoir ce qu'on est censé faire tout court. En fait. Bon, écoutez-moi! Écho! On a plus des donjons à faire là? Y'a plus l'écho! Maintenant, y'a la musique de Koh Lanta. Donc, aujourd'hui, vous êtes tous réunis aujourd'hui pour prendre la décision et lever la main. À tour de rôle. Ce que je propose. Un repos. Jusqu'à 18h30, le temps de laisser à notre golem le temps de récupérer full énergie. Une demi-heure. On récupère le golem à 18h30. Et de 18h30 à 17h demain. Attends, non, 18h30 à minuit. Pandore va au lit. Une fois que Pandore est couché, il met le réveil à 2h du matin. On se retrouve à 2h du matin demain pour continuer jusqu'à 17h, ce qui nous laisse l'équivalent de 60 levels possibles. Est-ce que, messieurs dames, aujourd'hui sur cette île, vous voulez défendre nos couleurs qui est le bleu du sud? Bob le Gob, pour qui souhaitez-vous voter? Ma mère. Souhaitez-vous arriver au match de boxe de votre fils de 10 ans, après une soirée fête des pères de haute campagne, avec zone à risque, Bob le Gob? Ouais, la soirée, ouais. Ah, mais frère, gros, c'est pas possible, on peut pas avancer. Il y a un golem, un qui comprend rien, l'autre il est défaitiste. Et t'as Martin l'aventurier Koh Lanta avec nous. Ouais, jamais avancé. Bob, il a la bouche de Schrödinger, frérot. Tu sais jamais s'il y a de la bouffe dedans ou pas. je mange, je te dis, il y a de la bouffe. Voilà, je mange. Simon, quitte le groupe et continue ta campagne en attendant. Même si c'est long, tu progresses, c'est mieux que rien. Ouah, lui, il voulait faire une pause. On est en train de décider si on stoppe Simon, ou si on tryhard tout et toi t'es là, vas-y. Attends, go tryhard. On parle sérieux, 2 secondes, c'est bon, là on rigole depuis tout à l'heure. Simon, tiens. Oui, je t'écoute. Il est 18h. Ouais, il est quasiment 18h. Donc Iris, ouais. Tu sais très bien que j'ai une abnégation sans faille. S'il faut faire toute la nuit pour qu'on gagne ou que tout le monde continue rush et qu'on se donne à fond, je ferai toute la nuit même si je suis fatigué, même si j'en ai plein le cul et que je m'en vais encore d'être mort. Je le ferai jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Iris, est-ce que tu as du coca au frigo? Non mais arrête, en vrai, Sixen, en van, très sérieux, tu perds beaucoup trop, que ça soit en qualité de gameplay et le fait de faire un nombre d'erreurs incalculables en jeu, en plus de perdre en qualité stream, je trouve, de ne pas dormir. Genre vraiment, on va juste perdre, et derrière, tu vas avoir ton rythme enculé, juste pour avoir perdu un event. Pardon. Je te poserai qu'une seule question. Et ouais. tu m'y répondras franchement, c'est la seule que je te poserai ce soir. Ok. Est-ce que tu es une petite salope? Minuit 2h. Est-ce que c'est suffisant pour toi? Impossible. Minuit 2h30. Mesdames et messieurs. Jusqu'à combien je dois marchander? Jusqu'à 3h? 3h. Allez,
Je t'accorde jusqu'à 3h45, pas ah, tu... plus. Ah, tu m'accordes jusqu'à 3h, ok. Je t'accorde un sommeil de 3h45. Oh, ah, c'est généreux. Oh, c'est généreux. Oh, quel homme man. Oh là là. Je vais parler. Tant d'heures de sommeil. Écoutez le chef de patrie. Je vais parler. Bon. Bah, on attend. Tu es pressé? J'ai le droit de parler. Bon, vous avez gloussé, vous avez dit les conneries, je vais parler. On va dormir de minuit à 5h. À 5h, tout le monde sera fidèle au poste. Et on casse des culs. Voilà, terminé. C'est déjà... Ça, c'est déjà plus sain. Non, c'est pas ça. Non, mais donc c'est déjà plus sain que ne pas dormir ou dormir 2h. Mais du coup, là, dans ce scénario, on joue jusqu'à minuit? Ouais. Mais d'abord, il faut qu'on décide d'une chose. Est-ce que tu es SPJ, gros? Oui, oui, voilà, je fais énormément de dégâts, hein, c'est incroyable, c'est de la merde, hein, ben bon. Je déteste mon gameplay. Mais du coup, on fera une pause à 7h parce que on fera une pause d'une heure, ok? On peut faire toutes les pauses que tu veux, on peut faire une pause à 7h. De toute façon, Bob, c'est pause. De toute façon, à lui seul, Bob a rempli toutes les cases de pause. Il a 5 heures de pause déjà son actif. 7h32. Arrêtez, je suis à l'heure ce matin, j'étais le premier. Moi j'étais là en même temps. Non, j'étais le premier. Bon bah je suis mort fin de run. C'est vrai? Non. Arrête, tu trouves ça marrant, gros enculé? Oh ta gueule, tu l'as dit moins 15 fois pendant la run, le malveillant. Pendant? Ouais. Écoutez, j'ai fini mon fromage. Qu'est-ce qui te motiverait à faire un minute, 2 heures? Absolument rien. 500 subs? Bro, même pour 10 000 balles, je fais pas. No troll, je ne ruine pas mon rythme de sommeil. 12 000 euros. Qu'est-ce qu'il raconte? Le mec il brin tout. Écoute. 12. J'en ai un peu de côté, Pandora. 12. Je peux monter. Mais laisse-moi dormir. Je monte jusqu'à 13. Ça n'ira pas plus loin, Pandora. Personnellement, pour la passion. Pour la passion. Sur des sommes correctes. Je te donne 100 euros, Bob, pour rester là, cette nuit, c'est bon? 100 euros, si j'avais 1500 abonnés, peut-être que je resterais. Voilà. Moi, pour la passion, bien sûr. On parle d'argent, voilà, parlons d'argent, la passion, d'abord la passion. Du coup, j'ai pas eu de réponse. Pour un million. Mais là, vous savez mais quoi non, faire non, putain on va faire un putain de donjon, la con de vous. Allez, où? Pourquoi on fait rien, là? Pandore en LFL l'année prochaine. Mais c'est une dinguerie! TDS pendant en LFL, ça te plaît? Ça te dit quelque chose? Prédateur du sommeil refuse de me laisser au lit! C'est un ouf, hein! C'est une dinguerie! TDS Pandore vs KC Caliste! Non, c'est vraiment pas! T'en veux pas? Mais non! C'est dommage en vrai, je pense que ça, c'est intéressant. Simon, je te demande de faire ta quête, qu'est-ce que tu fous dans les champs? Bah, je fais ma quête, j'y vais là. Eh ben mon grand, j'arrive pas à me concentrer, je suis fatigué, j'arrive plus à me focus. J'arrive plus à se focus, il doit pas dormir de la nuit, bah c'est... Ah oui, non mais c'est très grave. Mais non mais moi c'est grave. En fait la différence entre toi et moi c'est que je ferai l'effort, tu vois, je ferai les sacrifices. Y'a aucun problème pour le Ouais coup, les sacrifices tu sais faire, on a compris. Malheureusement t'en fais qu'on te demande pas. C'est même sacrifier le cul tout seul quoi. Iris, ton personnage il est mobile, gagne du temps, déplace-toi. Va vers le donjon. Non, en vrai, les gars, il a envie de prendre une pause, laissez-le. Sors de ce donjon, Eris. Je te vois rentrer à la base, il y a une quête juste devant toi, où tu vas? Et t'es devant le donjon? J'ai cherché des potions, mec. Ah. Non, en vrai. Je veux bien aller, allez. Je veux bien accepter le sommeil. Ok. Y'a pas de soucis. Ok. Si tu veux, si c'est le sommeil que t'as besoin, on se couche à 2h. 2h du mat, donc tu pousses de 2h la nuit. Parce que là tu me suis. Ouais. Toi ce que t'as peur c'est d'être décalé. Ouais. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Est-ce qu'on peut se coucher plus tôt et se lever plus tôt? donc ce que je te propose, vu que tu veux être réglé. Ouais. On va se coucher à 22h. Ok. 22h tu fais un dodo. 22h ça fait tôt. Ouais. Ça fait tôt mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Ok. 22h.
Tu te lèves à minuit. Il a décalé de 2 heures, il a laissé le même temps, il pensait que j'ai pas. Ça, Pandore, qu'est-ce que tu as lancé? J'ai rien lancé. Mais si, Pandore vous accompagne dans le trou du cul. Mais non. Oh, le deal, pourtant, je l'ai amélioré. Tu passes de 2 heures de sommeil de nuit à 2 heures de sommeil avant que la nuit soit finie. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus réparateur. Vrai businessman, hein, là, c'est. Et 12 500 € que je te dois. Non, c'est fine, c'est fine. Pandore, on peut clutch. Si tu vas dormir, notre run est fini. Mais je crois qu'elle est fini depuis ce matin, frérot. Mais non, regarde, t'es en train de faire le donjon, t'as tout compris. Un spectateur qui propose quelque chose de propre. On te propose, tu fais 10 fois 15 minutes d'affilée. Ça vaut le coup. Steven, 150 minutes, ça fait 2h30. Ouais, je t'écoute. Seven, la question, maintenant je vais t'en poser une autre parce qu'ils sont pas réceptifs. Si, est-ce qu'il y a un scénario où moi je dors mec, pas mec, mais de toute façon, non mais en vrai, regarde, c'est la question à nous trouver. C'est moi en fait, la run, pas dormir. La run est finie dans 23h. Tu fais 10 minutes de micro-sieste par heure. Ça te fait un total de 230 heures de sommeil. 230 heures de sommeil, pas mal. C'est plus la question, c'est si y a quelqu'un, peu importe, hein, Tog ou autre, qui arrive à nuit blanche avec Iris, à lui porter son gros cul. Mais dans la thématique, ça veut dire qu'il y a Iris dans la thématique. Ah, ça. C'est mal à la tête qu'il a. Ça veut dire que dans ton cosinus, il fait partie du programme, Iris, quoi qu'il en soit. Ok, donc Iris, t'as compris déjà, tu es in. Iris in, Pandore out. Maintenant Bob, t'es in ou t'es out? Oh, moi je suis in, moi je suis mortel. Oh let's go, bah franchement, là déjà on est sur un bon scénario. Iris, tu me lâches un sourire juste pour montrer ta satisfaction. Moi je veux rigoler, qu'est-ce que tu me racontes? Moi en vrai, je veux pas du tout mettre... Moi je fais ça que pour la passion, moi je suis venu pour cet événement. Non mais il y aura plus les 12 000, c'était que pour Pandore, dommage. Merde, pourquoi tu veux... Moi je veux la passion, voilà. Seven, s'il prend le compte de Pandore, je lui file 2 000. Non, bah écoute, je travaille demain, mais... Non, la passion. Oh, ça va là. Non mais en soi, genre là c'est... Non mais en vrai, là il y a Sixen, Bob et Iris qui ont juste signé avec le High Diablo, de base. Donc là... Il y a une chance de les rattraper. Si pendant il est in, c'est free game. Free. C'est free. Mais t'en compte comme c'est gratuit, genre. Gratuit. Genre, ils peuvent pas lutter, frérot. Ils sont en train de dormir pendant 10 heures. Pendant 10 heures, t'imagines le nombre de trucs que tu peux faire. Déjà, Iris, il serait niveau 50. Oui. Nous, on serait full aspect, full Lilith. Le nombre de trucs que tu peux faire, je suis grave d'accord. Genre, tu peux mourir. Et ouais, du coup, il n'y a plus de nuit. Ouais. Pandore, il va se lever tôt, on sera tous morts, lui, il va pouvoir aller se recoucher. Il va mettre le réveil pour s'endormir, Pandore, hein, demain. Non, écoute, en vrai, la vraie strat... Moi, je me lève le matin pour me lever le matin, hein, c'est... Par contre, je troll zéro là-dessus, hein, c'est... Mais comment ça se fait que le seul qui soit motivé, c'est celui qui a mangé plus d'un jambon cru, du vin rouge, du pastis? Comment ça, le seul, la con de toi, je suis pas motivé, frère, je fais... Et toi, tu manges que de la merde, toi, c'est ça le problème. Qui, moi? Bah oui, on parle de toi, non? Mais pourquoi tu me caches ce que je mange maintenant, c'est nouveau? Et parce que tu es mort et mon vieil! Tu vois pas qu'on est en désespérance parce que tu es mort! Si tu appuies pas sur les boutons, moi je te le dis, moi! Et t'étais où, toi, Bob? C'est vrai, Bob, t'étais où? T'étais où pendant que... T'étais où pendant qu'Iris il était en train de téléporter? J'étais en train de vérifier mon stuff, j'étais en train de me... Je faisais ma poule de luxe, j'étais en train de... Alors que tu aurais pu les frost au final, c'est ce que tu es en train de dire. J'étais en train de voir quelles chaussures on pouvait me mettre. Du coup, on a niqué la run pour une paire de chaussures, quoi. C'est un peu comme Skyars, quoi. Si Pandore était pas malveillant, on aurait une bonne ambiance dans la run, mais bon.
Après, on revient toujours au même point, hein, mais bon. C'est ça, veut nouer la solution en fait. C'est à cause des chaussures encore. Bah, de toute façon, en soi, si la nuit de Pandore, si la nuit de Pandore elle est genre mandatory, il faut juste bien la placer. Par rapport à Exerator ? La variable qu'on sait pas, c'est genre ta nuit minimale, elle fait combien de temps pendant ? C'est ta dernière négociation, genre. Non, c'est 5 heures. 5 heures ? Bah, dans ce cas, faut lui accorder les 5 heures pendant ces 5 heures-là. Mais c'est pas ce soir où il y a le changement d'horaire, le décalage horaire ? Toujours plus. Attends, mais Pandorette, ouais. ma croquette. Mais genre, il faut bien les placer, c'est tout. Parce qu'en fait, alors là, si, imaginons il fait un genre 22h, 3h du mat. Vous à 3h du mat, ce sera le moment. Ce sera le moment un petit peu en mode. Ce sera un peu le moment où vous êtes un peu en train de battre de l'aile, etc. Et gros, pendant, il arrive avec sa nuit de 5h, full dopamine. Il sera full régénéré et tout. Oh là là, il va arriver comme un roi, la légende qu'il est déjà. Regarde, tu pourrais être légendaire, pendant, tu peux faire être une merde. Qui vote pour le 22h, 3h du matin, accordé à Déjà, pause. Je vais vous parler du scénario le plus probable de si vous faites la nuit blanche, ok. Je me réveille, il est 6h, je me login, je vois personne de connecté. Je vois personne de connecté. Que des niveaux avant sa friend list. Non, je vois personne de connecté. Je vais sur Discord, je cherche des nouvelles. Il y a une personne qui est encore connectée. C'est Sixen qui est en train de gérer les derniers trucs qu'il a à gérer pour la fin de l'event parce que tout le monde a des co parce que vous êtes tous morts. Rien d'autre. C'est tout ce qui va se passer. C'est tout ce qui va se passer. Vous allez juste mourir de littéralement de fatigue. Je suis très sérieux. Attends, mais la question c'est pourquoi Iris serait mort en étant full éveillé et il mourrait en étant fatigué. Ouais, la question là, putain, trop dur à répondre. C'est QFD, les gars. Sensé. Ouais. Pourquoi toutes les fins de phrase, ça finit par me vanner à moi. Mais parce que c'est toi qui as déclenché cette situation, là, c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre. T'es pas sur moi, by the way, Bob. Je sens que t'as la bougie, là, t'as envie de taper des trucs. Moi, je suis en train de pex. Viens, les gars, ça fait bien avec son stuff. T'es pas sur moi, en vrai, qui traite JFK, ouais, fais des trucs. T'es sur moi, là, d'un coup, tu es vif, déjà que tu dors tout le temps. Oh, TP, là, TP. Mon vieil joueur de pacotille de jeu de merde, va. Hein ? Qui c'est qui a un palmarès de champion du monde de jeux vidéo parmi vous ? World of Tanks, c'est un jeu de Golemon. Putain, arrête de nous faire chier avec ton palmarès. Oh, je suis champion du monde de World of Tanks. Personne n'y joue à part les mecs qui font les OP. Arrête de nous casser les couilles. Faut mieux être champion du monde de World of Tanks que champion du monde des carpettes, hein. Parce que toi, t'es vendu à 100 maclou en promo tellement tu te couches, hein. En promo. Tu peux pas me repasser un peu la musique de l'autre qui a pas d'amis, là, quand il s'appelle Cyril, là, s'il peut. Pourquoi on fait pas de relais de sommeil? Non, ça serait trop intelligent, papa. Ah oui, c'est vrai qu'il arrive dans le relais de sommeil, ça c'est mal. Hein. Regardez, on joue à deux avec Gourmandise. Le relais nourriture sommeil de le seul qui dort pas, c'est Iris. C'est normal, tu le mérites pas. Tu mérites rien. Ça, le message est clair. Ton amour, quand même, je mérite ou pas? Oui, ça. Allez, hop, c'est moi qui t'aime. En vraie déclaration, je t'aime quand même. Ben moi aussi je t'aime. Même si à l'issue de ce marathon je te déteste. Non mais vous vous rendez compte que dans ce marathon on s'est détesté, critiqué, aimé, on a marchandé, on a parlé, on a vendu des nuits de sommeil, on s'est fait des ennemis en face de nous, genre y'a rien qui va quoi. Littéralement le marchand de sable, hein. C'était incroyable. Et encore que franchement j'étais petit joueur. Moi je fais des dégâts dans les potes. Sinon, écoutez, demain, 10h, rendez-vous sur la vidéo Fixen, Decimus, les gars, les vidéos YouTube sur LoL, on se régale. Tu sais que ma carrière LoL est en train de tomber, là. Plus de vidéos YouTube. Mes viewers, je suis tous en train de les perdre. Je vais revenir sur LoL, ils savent même plus qui je suis. Ils voient ton vrai visage, tu vois, tu nous chies dessus depuis tout à l'heure. Ce pauvre Pandore qui prend, ouais, il est malveillant. Non, ouais, il est malveillant de merde, son cheveu, son cheveu, ouais, tout ce que tu dis. Ok, Simon, t'es mort il y a 5 heures, t'es que niveau 20, allez, continue avec lui. Je fais quoi là? Ça fait 5 heures, t'es mort, normalement là, tu serais déjà avec 2-3.
Mais bon, comme t'es remords. Ah, dépêche-toi, sans déconner. Simon, les pauses ne sont pas acceptées ici. En haut, il y a plein de mobs. Regarde, Pandore, c'est compliqué, regarde. Oh, tu peux jump ça, Sixcentre aussi. Je saute tout, là. Voilà, ils sont tous morts. Qui les a tués? Pas vous, hein, c'est moi. Hein. Ça servait à rien maintenant, hein, je vous le dis. C'est vrai que tu fais mal. Ah ouais, non, je te l'accorde. Non, je te l'accorde, je te l'accorde. Viens voir mon poulet, tu le vois là le pack. Boum. Voilà, hop, terminé. C'est moi, tout seul. Ça m'envoie là-haut. Eh, hey, c'est Bobilou. Mais il faut te dire quand ça va bien, tu vois, là ça va bien. Putain, c'est marrant, Bob. Mais OMG, mais il est trop bien ton build. Ouais. Ne me dis pas que c'est le premier build que tu l'avais conseillé quand même. Bah si. Non, oui, mais bon, après ça, ça on n'y peut rien. Après, il a quand même revenu sur sa décision. Il y a que les cons qui changent pas d'avis au bout de. C'est ce que je lui ai dit hier, ouais. Mais il a quand même changé d'avis entre temps, quoi. Parce qu'il est reparti sur l'aspect feu, ouais. Tu comprends pas comment je fonctionne, moi, dans un jeu, je teste les loups. Il y a du méchant là, il y a du vilain. Bon, après tout, j'ai pas besoin de. Oh putain, que c'est cette merde, dis. Ah ouais, non, là j'ai besoin de vous, là. On arrive. Il y a du lourd, il y a du lourd. On va rester dans le cercle magique, hein. Ah, j'ai pas envie de les tuer, ils sont pas dignes de moi. Hein, les gars, en vrai, sur tous les chats confondus, sur 20, cette run Diablo, malgré la non-performance, elle est à combien d'après vous? En termes de rigolade, de tryhard, d'aventure, de haut et de bas, vous en êtes où là mentalement? Une aventure humaine surtout! J'arrive pas à choper ce putain de lézard, là. C'est pas mon pas de papa. Alors ça va, les gars, tant que vous vous régalez, c'est tout ce que je veux. Mais moi, je suis pas venu. Je suis pas venu pour gagner, moi je suis venu pour faire la fête hein, avec les collègues. D'ailleurs, il. Oh, ok. Nickel. Vous êtes dead? J'ai évidemment le gauche avant tout. Allez. Comment va Pandorette? Oh, Pandorette mini croquette, on va où? Bah là on va au boss. Le boss, il bosse le boss. C'est le boss. C'est quoi le jeu que je pense qu'il va me falloir un mois pour récupérer de cet événement. Hop, j'ai les bonbons qui collent un peu au papier. Non mais il s'appelle Ritzen le boss de ce donjon. Hein. Voilà. Attends. Aïe. Putain, je me suis niqué. Hein. Ah, le plan. C'est Fog. Oh là là, j'ai un monstre qui me dérange. C'est un homme qu'il faut les tuer, je crois. Pourquoi il y a trois débiles qui tapent avec nous régulièrement là? C'est mon ultime. Eh ben dis donc, c'est beau. Hein. Ouais, est-ce que Steven, tu crois en nous? Bah, en vrai, là, je vois qu'il y a un petit élan de motivation qui se crée autour de la nuit blanche. Je me dis un monde. Bon, après, c'est quand je regarde. Steven, toi, tu l'aurais fait, toi? Ouais mais moi bon, après tu me connais, je suis détraqué, moi je peux faire des lignes blanches comme ça, c'est rien. Seven, en fait. Je sais pas en vrai. Pourquoi ouais mais le problème c'est que si on avait pris Seven, c'est toi qui serais pas là quoi. Ah ouais d'accord. Parce qu'à la base c'était la team du sud. Ah. Bah il a plus de légitimité à être là que moi du coup. Ouais je t'en fous, tu sais poteau, moi je te laisse par place. Après moi je surkiffe ma place de A extérieur. Chacun a sa place les gars. Ah non, mais c'est personne. Bon, j'ai pas de place. C'est bon. Oh mon vieux, oh le susceptible, capricieux là. Non, pas susceptible, les mots ont un sens, hein, en français. J'ai entendu que j'étais une merde humaine et qu'on pouvait me remplacer. Oh là là, ça, quoi. Après, si. Si Seven in cette nuit, c'est rush soleil. Ah, mais jamais ils l'accepteront. Non, mais bien sûr, je rigole. C'est comme s'il revenait genre en mode ouais les gars alors cette nuit on n'est pas là, je vais faire venir un Arcusha, il va jouer.
Alors, je suis désolé, il n'y a pas précisé dans les règles que ça devait être moi qui était derrière le PC. C'est vrai que d'un côté, j'ai dit qu'il y avait 4 joueurs. Après, j'ai pas dit qui était exactement, derrière le PC. Quoi. 4 personnages, mais joués par qui? Personne, hein. Après, c'est comme quand tu me dis, on monte un mur, celui qui monte le plus vite le mur. Je dis, mais ça m'empêche pas de monter un peu comme j'ai envie, le mur, non? Tout à l'heure, on les a cassés en deux. C'est-à-dire que bon, si j'ai envie de faire appel à des sous-traitants pour monter le mur, ça gêne personne, au moment où le mur est monté. Ouais, il ouais, y en a des choses qui sont dites là. On est d'accord. C'est ton événement, tu changes les règles. Tu vas monter le mur, ça. Après, en vrai de vrai, est-ce que vous pensez que si je change les règles au dernier timing, ils vont le prendre mal? Non, non, tranquille, ah, c'est mieux. Parce que Seven, parce que le personnage en 10 minutes c'est niveau 50. Il chiale pas de 2 minutes, oh, je trouvais que des bottes, oh, la vie elle est trop dure avec moi. Non, tu rajoutes juste une petite règle à la con, genre la team avec le plus de level 1 pair a perdu, et puis voilà, c'est vite fait, genre y'a rien. Putain, y'a le Raptor. Voilà, la team avec le plus bas niveau gagne 50 points. Ah non, mais là tout le monde est level 1 du coup, donc bon. Ou sinon, je rajoute une règle. Celui qui a le moins de tests de QI gagne 50 points. Et on va tous faire un test. Ça, c'est juste insultant, ça, c'est. Histoire de faire voir qu'on a un handicap, quoi. À tout moment, ça serait un décrire un peu ton donjon un peu. Bah là, il est en train de tuer le lapin. Il T'es niveau combien, Iris? Oh, mais c'est des gros lapins, hein. 20 Je suis un peu dans la merde. Merde, c'est trop bien. Non, non. Ouais, je crois que je vais trop passer les amis. Non, que quelqu'un TP sur lui instantanément là. Power Rangers. Non, il n'y a pas de Power Rangers. Trouve un donjon et rentre dedans. Mais fais des roulades. Ça, c'est Jack. Il fait exprès de mourir. Non mais il veut juste partir. On lui a pas accordé sa pause, il fait exprès de mourir. J'arrête pas à jouer. Encore 2 heures, Iris, pas plus. T'as 2 heures. Ouais, encore 2 heures, encore 2 heures, c'est fade. Bah en vrai, vu l'état émotionnel de Iris, une heure et demie. Je veux bien me proposer dans mon immense bonté si s'il y a un monde où c'est accepté de la team en face. Non, c'est hors de question. Mais c'est pas précisé dans les règles. Non mais en vrai, c'est possible que Simon il ait juste besoin pour se concentrer. Après il a juste mal de tête. Mais sans caméra. Mais moi je l'amène en toute gentillesse et bienveillance. Écoutez-moi, bande de petites chalopes. Rejoignez-moi. Maintenant, on a Seven à la place de Iris. Pourquoi? Mais parce non. Qu'il a mal à la tête et qu'il est malade, il est souffrant. Mais non, non, non. il vient de. Regardez. Vas-y, fais-nous le genre full RP. RP. 7 ans d'études. Ah, full RP. Oh, les chalopes. On va parler clair. J'ai fait 7 ans d'études d'Optissimo Facebook. On est en face d'une crise céphalée chez Monsieur Iris. On demande donc l'entrée de notre remplaçant légitime, le célèbre Seven. Voilà. C'est pas précisé dans les règles qu'on peut pas changer le teammate. Ah, après, donc, s'il a un problème, s'il est malade. Fais-moi voir un peu comme t'es souffrant, Iris. Comment t'es souffrant, Iris. Regarde mes yeux là, j'ai les yeux qui brûlent et tout, j'en peux plus. Non, vraiment, je suis vraiment fatigué. J'essaie de me donner à fond et de tout donner pour réussir le rush, mais j'avoue que même là, mécaniquement, je suis déjà nul. Non. Je vais leur parler, je m'en occupe. Non, bon, une blague. Non, ils vont croire quoi, le fake. Ah, pendant. Ouais. 2 heures. À la fin, je regarde quand même que team. Oh. Ouais, t'as lâché l'angle Iris complètement. T'es en mode ok, y a un monde. Tout dépend de nous. Y a un monde qu'il a oublié la négociation d'avant. Peut-être qu'il va accepter s'il redemande 2 heures. Quand je vais leur parler, je leur gorerai un petit. En tenant compte du fait que vous êtes des grosses fragiles.
Merci pour le petit message, c'est gentil. Merci pour votre gentillesse. Vous avez peur de notre joueur sur le banc de touche? Non. Même moi je le prendrais mal, moi, qu'on fasse rentrer... Mais non, mais c'est du troll, Pandore, rentre pas dans le jeu. Ça me fait les couilles de ce que tu vas prendre mal, Pandore. Ok, excuse-moi. Tu sens quand même plus, il y a des gens qui vont être là en mode « Rien, tu sais ce qu'ils font là dans le channel, ils sont en train de ramener le coach. » On reconnaît full bouteille, genre. Ken stream, LRB, je tiens à vous informer qu'il y a quelqu'un qui va remplacer Aigri parce qu'il a mal au crâne. Il a une céphalée apocalyptique majeure. C'est leur médecin en chef qui l'a dit. C'est triché, non, on est d'accord. Vous en pensez quoi? Moi, je suis déçu parce que tu vois, il y a des gens qui prennent des abonnements sur ta chaîne tous les mois pendant. Ils attendent du content. Ils attendent que tu te battes pour la France. Tu peux pas me guilt trip, c'est hors de question. Non. Attends, ils sont là. Ils ont tes couilles en main, genre. Ils te permettent de manger, de t'éveiller, genre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mal. Non, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais c'est honteux. Mais c'est criminel. Qu'est-ce qu'ils racontent? Que quelqu'un l'arrête. Ils regardent tes vidéos YouTube, ils te mentionnent. Ils te donnent du répertoire. Enfin, ils te répertorient quand même sur YouTube, quoi. Non, là, je m'assois. Non, tu sais quoi? J'en mange ma pomme pote, dis-toi, là. C'est un jeu online, mais tu peux jouer à 4 potes, quoi, Max. Je pense que je peux leur vendre le produit, j'explique comment. Écoutez, messieurs, vous êtes clairement meilleurs que nous. Les gars, c'est gentil. Et vous aimez le challenge, vous êtes des challengers, n'est-ce pas? Alors, écoute-moi bien, Kenestream. Attends, voilà, attends, c'est une excellente idée, ça, en vrai. Parce que je te propose de relancer le challenge. Aigri a été déclaré maillon faible de notre équipe, il a été renvoyé pour cause de maladie chronique. Mais moi aussi déclare-moi alors, hein. Non, mais en fait, clairement, je veux plus. Let's go. Bah, en vrai, non, enfin, c'est sérieux. Bah, après, en vrai, amené comme tu le présentes là, c'est genre, Aigri, en vrai, la mort, ça lui a mis trop un coup moral, plus la fatigue, nanana. Genre, arrête, je prends son compte, je monte niveau 50, et ensuite, c'est relou qui le joue. Va oui, faire nickel. Du storytelling on aime bien. Autour du fait que Aigri, ma gourmandise, tu es un peu attardé. Regarde. Regarde. Pandore, est-ce que tu peux venir sur mon écran, s'il te plaît? C'est important. Vas-y, c'est pour la run. J'arrive. C'est pour la run. Parce que là, on a passé une heure et demie à Theorycraft, mais je pense que j'ai la run. Vas-y. C'est bon, vous êtes sûr? J'arrive sur ton stream maintenant. Je pense qu'il y a que ça qui peut nous sauver. Ok, j'arrive, je regarde là. Vous me dites dès que vous êtes prêt, parce que je pense qu'il y a que ça qui peut sauver la run. Ouais, je regarde. Ok. Donc. Ça. T'as sorti le paint là quand même, je suis un peu terrifié, mais ouais. Ça, c'est le début de la run. On était tous au même. S'il te plaît, Bob. Regarde. Ça, c'est la run. On a commencé tous les deux au même endroit, tu vois ce que je veux dire? Au début, ils ont pris de l'avance. Ils étaient là. Tu vois ce que je veux dire? Après nous, au moment où ils étaient là, nous on était là, tu vois. Après, on les a dépassés parce que, bien évidemment, on est meilleur et qu'on a subi un bug graphique par rapport à Iris et on l'a perdu. Du coup, on a réussi à accélérer sur la deuxième session et on était là pendant que eux, ils étaient là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, tu me suis. Ouais. Là, actuellement, on a subi un traumatisme crânien de la part d'Iris et la session qui a commencé, du coup, ce matin, s'est arrêtée ici, tu vois. Et eux, actuellement, ils sont là. Je pense qu'ils sont même plus devant que ce qu'on était. Attends, bouge pas. Voilà. Là, ils sont là. Donc, là, on est en tu vois, la barre est quand même colossale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je prends en compte les 2 heures de sommeil et qu'on pipotille les 10 heures, parce que là, il faut comprendre que de là à là, c'est 10 heures, tu vois? Ça, c'est 10 heures de gameplay. Non, c'est 10 heures d'un joueur normal, plutôt bon à Diablo. Là, on a Aerys. Donc, dans un scénario non, où... Non, mais arrêtez, c'est bon, je vous jure, je fais pas exprès, je me donne à fond. Non, mais même, outre le level des 4, on va dire, si on se serre la main, on se serre les coudes et qu'on fait le stuff healing, là, il faut rattraper ce retard. Je pense que dans la nuit, on peut rattraper ça. Tu vois, quand ils vont se lever. Donc on n'aura plus que ça après de différence. Surtout, messieurs, qu'il faut prendre un facteur en compte, c'est que là, avec leur avance, il n'y a aucun monde où ils font pas genre une nuit de 10 heures. Ils vont dormir en mode
Ils vont dormir en... Oh les gars, c'est bon, on a de l'avance, on dort 10 heures. Ils vont se réveiller le lendemain, on sera tous niveau 70. Nickel. Ils vont se chier dessus, c'est exactement ce que je voulais soulever, Seven. À la base, ils devaient se lever à 10 heures parce que ils savent que la run est gagnée, tu vois. Ah, sauf que là, ils savent qu'on va nuit blanche. Du coup, ils vont mettre un réveil à 7h30 pour contrôler l'afflux, tu vois. Donc, en faisant cette run, on l'appelle la run pression. Tu vois, c'est la run où on y va, tu vois. La run dépression. Là, eux, sur la session qui va suivre, ils vont se précipiter. Ok. Ils vont mourir. Et là, ils vont mourir ici. Et là, c'est le point de non-retour, Seven. C'est là où, normalement, le guide conclut qu'il y a minimum 2 morts. Et là, c'est le retour en arrière et ils se retrouvent ici. Et nous, on est là. Ah, je peux sortir une autre stat. Échec et mat. Échec et mat. Pourquoi t'as marqué pizza en... Pression. Ah, pardon. Ok, j'ai sorti une autre stat rapide. Iris est mort vers 16h. Il est 18h30. On a fait 3 donjons. Ouais, mais au bout d'un moment, faut qu'on le sait peut-être. Le chat. Moi, je sais que le chat, ils sont avec moi en général. Ils ont l'esprit sain, tu vois. Le chat. Le graphique est bon ou pas? C'est magnifique. Eh, mais attends, c'est les mêmes gars qui t'ont dit pourquoi je prends pas des élixirs, l'esprit sain. Et en plus, après, je veux pas dire. Mais les gars, c'est comme j'ai dit tout à l'heure à Iris. Vous avez tous cette vidéo en tête? Du mec qui fait de l'athlétisme, qui claque en plein milieu du départ et son père il vient l'aider à le porter. Qui s'est rappelé de qui a gagné cette course? Personne. Mon père, alors. On s'est tous rappelé du mec qui s'est battu jusqu'au bout, mon gars. Mon père in. On s'est tous rappelé du mec qui s'est battu jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez être le premier que personne se rappelle? Ou vous voulez être les légendes qui auront rien lâché jusqu'à la fin? Personne se rappelle, le premier. Vous êtes tous les joueurs, le premier. Donne-moi le premier. Je suis maté. Voilà. Prends ta fame, donne-moi le premier. Bon, moi, vos conneries, au bout d'un moment, c'est bon, on joue ou pas? Parce que moi, je suis pas là pour regarder l'autre en train de faire des dessins comme un gamin de 6 ans. Bon, Iris, je te groupe, on fait 3 heures de donjon, on te fait monter niveau 30. Mais il est quel niveau là, Iris? Bientôt 21. Mais il est mort? Comment ça, je suis mort? Ah, tu es pas mort? Eh bien, bouge ton cul, salope! Bon, allez, j'en ai marre de t'attendre maintenant, mon vieux. Je pense que si Iris est encore un peu plus au fond de sa chaise, il la traverse. Non mais frérot, si vous vous rendez compte que ça fait 4 heures que vous êtes sur mes côtes à me rafaler pendant 4 heures. Non mais là je parle vraiment au premier degré, je pense, vous vous rendez pas compte parce que vous trouvez ça drôle. Les gars, on fait une pause, là regardez, il est 18h30, on mange, on se met bien, on reprend à 8h, on fait 8h minuit. 8h minuit, ton dos jusqu'à 7h30, on va s'arrêter. Ouais, 8h minuit. J'ai fait 3 lives en un jour. Mais c'est bon, moi je fais des lives de 10h, 15h, des fois j'ai mal les couilles. Oh, les jeunes, vous êtes fatigués maintenant. Hein. Moi je continue. 8h minuit, c'est bon ou pas? On continue là, c'est bon, on y est. Oh le fragile. Jusqu'à minuit là, Iris. On m'a cassé les couilles aussi. Jusqu'à minuit, Iris là? Non, moi je joue, je m'en bats les couilles. Ok, feu alors. Je te groupe, on va dans le jeu. Ah, tu le sais que tu dois déco, allez, casse-toi. Mais fais-le monter 30 là, il monte 30. J'avoue, 10 level là, Iris. Non, mais quand il est 30. Non, en vrai, là, hors blague, là, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on prend une pause? Genre, on fait 20h minuit, on se fait une dernière session, genre en mode Nighty Nighto, et on y va chill. Et après, on dort 5h. Voilà. Est-ce que. On FF? On dort avec ça ou pas? De quoi? Si on dort 5h, c'est bon. Minuit, on dort 5h, 5h du mat, on y va, on va jusqu'à 17h. 5h, c'est painful. Je peux le faire, tu vois, mais si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment grind, vas-y, je fais 5h. 2h? C'est bon, il est à dormir 5h, mais pendant qu'il dort 5h, moi je suis là avec toi, poteau. Ah ouais! 5h, on envoie, nous! Mais voilà, 5h, c'est fine. Donc, 5h... Bob, t'es in. Oui, moi je reste, moi c'est bon. Moi si j'ai une heure et quelques de sommeil, après je peux rester tard. Non, là c'est nuit blanche, jusqu'à 17. Ouais, bien sûr. Non, il y a un moment, moi je m'arrêterai vers 15-16h pour aller me laver, m'occuper de mon fils. Mais par contre, je peux rester toute la nuit. Depuis tout à l'heure, tu peux me faire. En vrai, Bob, un scénario improbable. Tu fais venir ton fils, c'est lui qui joue. Vous allez perdre rapidement, il est nul au jeu vidéo, il s'approche pas d'une console. Il a une Wii, il a le droit d'y jouer quand il a fait exactement une heure de lecture, il a le droit à une demi-heure de jeu. Dans le contraire, Giga une heure de lecture, il y a une heure de jeu. Giga Chad. Par exemple, si Iris. Réel, non, très fort.
Quoi, c'est bien, non? Bah oui, oui, c'est ce que je dis. C'est vraiment bien. C'est respect, gros respect. Et interdit d'avoir un téléphone jusqu'à 18 ans. Oh, ça, c'est peut-être beaucoup, mais ouais, je suis... Pour faire quoi? Pour faire les attarder, là, devant TikTok et compagnie? Non, ok, ok, bon, ça, c'est un autre débat, je suis d'accord, mais je pense que c'est important juste pour pouvoir communiquer avec ton gosse. Ou sinon, j'ai un autre programme, les gars. On l'appelle le programme Kosovo. C'est... On cut. On se retrouve demain matin à 7h. C'est quoi ce titre, le programme Kosovo? Je sais pas, j'avais ça en tête. Le dernier rush, le rush du Rouen, les gars. On fait 7h, 17h, et on croise les doigts pour le miracle. Et on fait la run. La run, la seule run, la seule qui vaut quelque chose. Et là, en fait, on profite de 18h à minuit pour. Enfin, de 18h à 8h pour faire un maximum de repos. Et à 7h, on envoie et on fait la même première run. Bon, allez vous faire un culé, je m'en vais. Mais moi, je suis pas contre, mais je suis pas foncièrement pour non plus, quoi. Moi, je suis chaud pour faire un tout droit, là. Moi, je suis en forme, j'entends de jouer, là. Maintenant que vous déblatérez, moi, je fais des XP, hein. Sinon, en FF? Non, en FF, et bonne nuit. Ouais, ah, c'est ce moment où il a parlé depuis 2 heures. Bonjour, ouais, je suis en train de faire mes quêtes en attendant, hein, casse pas les couilles. Comment ça, t'es à la base? Compagnie. Ouais, je dois faire un boss, mais je le sens pas en solo. Ou sinon, on prend le scénario de. Il est 18h30, on se rend compte que l'avancée est rocambolesque, que les troupes ont perdu le moral. On leur offre la victoire et demain ils finissent le run à 17h et on les regarde. Voilà la run. Est-ce qu'ils vont aller à Lilith? Non, on live pas et on FF demain à 16h50, comme ça ils vont farmer comme des chiens. Au pire, les gars, on leur dit rien, on live pas jusqu'à 17h demain, on les laisse continuer la run. Bon esprit, ça aussi. Oh putain. Et si. Ils sont si en avance. Oh oui, non, ça va, oui, non. Bon, on peut jouer là ou pas? Ben là non, là c'est... En fait c'est ce qui... Là le scénario c'est soit on fait une pause, soit on va se coucher en fait. Voilà. Ah ben, donc là le scénario joué il est déjà de côté là. Ben, moi, là on est juste en discussion. Bon, écoute, faut savoir que le dernier level de chez eux il a quasiment le même level que nous quoi. Bon, quoi qu'il arrive, c'est opération statut de Lilith, opération niveau 100 et Seven va m'aider bien sûr. Hein, Seven, tu m'aides? Absolument, si tu respectes ce que je peux te conseiller. Tu aurais une statue, ah ouais. Quoi, du coup, toi, Steven. Non, c'est vraiment. Est-ce qu'il y a encore des statues déjà? Est-ce qu'il y a encore la marque? Je pense, hein. Je pense sincèrement. Moi, si là, ils n'ont pas recommuniqué dessus. Ils n'ont pas recommuniqué dessus, mais je pense sincèrement. Ouais. Moi, si tu me donnes une feuille de route, je suis. Hein. Ça m'excite. Hein. Ouais, alors ça marche bien par contre, hein, vous avez vu les jeunes. C'est violent ça. Hein. Bon, vas-y. Dernier truc pour vous motiver. Sixen. Ouais. Oh non. Ils sont pas très loin. Ils ont que 216 points, on en a 169. Ça va, c'est honorable. T'as fait des séditions. Après... Attends, écoutez, à Seven, il va dire un truc d'intelligent. Bah, le truc le plus intelligent, c'est... Le truc le plus intelligent, c'est que là, en 24 heures, ils peuvent encore mourir, genre, c'est tout, genre. Et oui, ça c'est réel, c'est très réel. Y a aucun moment... Le seul moyen de les faire mourir, c'est de jouer. Et oui, si on joue, ils se chient dessus. Parce que si on arrête de jouer, ils vont se dire, ah bah si, on n'a pas besoin de push. Mais si, entre guillemets, on joue de manière juste régulière, mais je te parle même pas de nuit blanche ou quoi, hein, même si, évidemment, ça augmenterait vos chances de rattraper. Non mais Do, c'est niveau 55, il était déjà niveau 50 en début de journée, il est 55, il est 18h, ils vont encore jouer jusqu'à minuit, ils vont atteindre quasiment 60, on est là, on a fait 3 donjons sur les 3 dernières heures, et on a un druide qui bégait pour faire son niveau 20, c'est pas possible, c'est légit pas possible. Mais imagine, il tombe sur le butcher, il meurt. Non. Imagine, ils vont dans les strates infernales, ils meurent. C'est vite arrivé de mourir. Regarde, Dairis, il est mort. Mais ils ont plus besoin, en fait. On met aucune pression. Ils ont 40 points d'avance. Mais c'est rien, 40 points d'avance. Ça fait deux fois le Butcher, c'est réglé. Hein.
Le Butcher, c'est Lilith, la pierre, c'est réglé, allez, non, go. Lilith, il non, mais viens, venez en fait, vous Butcher, c'est 10 points. Jouez, jouez, juste jouez. Non, moi là, je suis sérieux, ça me pète les couilles. Maintenant, je vous parle franco. Moi, j'ai pas l'habitude d'abandonner, donc jouez. Je rigole pas. On joue maintenant. Ça va péter les couilles, voilà. Je vous le dis. On joue à quelle heure ? Moi, je suis franco, je commence à fatiguer, j'ai mal au crâne. Ah, non, mais là, dans tous les cas, on va faire la pause. Là, c'est pas le problème. Là, la pause va s'imposer. Maintenant, à quelle heure on reprend ? Non, mais non, moi, je perds pas espoir, t'inquiète, on me joue. Oh, mamie, vous me donnez une heure ! Entre l'autre, il veut dormir 2 heures. J'ai papa Raymond qui veut faire du karaté avec son fils. Et oh, à quelle heure on joue ? De la boxe anglaise, le noble art, pas du karaté de Charlot. Venu mais tu me casses les couilles, Bob. Tu te permets de nous donner des ordres alors qu'on te supporte deux jours avec ton build de frérot. Il est fait par un trépané. Ça va dans tous les sens. T'as du truc feu, t'es givre, t'as du la glace. On dit rien. T'as mis 2 sorts à la minute. Et là maintenant, tu me fais le mec. Tu montes sur ton cheval de 3 en mode faut jouer. Mais mon vieux joue. Arrête de regarder les items. Arrête de les lire. Lis le site. Il y avait tout décrit. On joue pas, mon vieil, là, ça y est, t'as le site. Moi, je te prends au mot, mon frère. On joue jusqu'à demain 17h, tu te prends ton page note, là où il y a tout ton site, tes 10 items, et tu vas te les compléter avec toutes les gemmes. Et je vais te les craft, et on va prendre le coffre d'Iris, et je vais te prendre les gemmes, je vais te les créer, et tu vas te les mettre dans les items. Et tu vas aller du début à la fin, à la run à 17h, avec l'aspect givre. Ça te va? Je la joue là, ma spé, mais elle marchait très bien, ma spé feu, hein. C'est pas le problème, c'est pas l'espé. Le problème, c'est que la gourmandise, Simon d'Iris, l'homme incapable de peindre son fond. Mais pourquoi on revient avec Iris? Ça enlève pas ce que j'ai dit. Il a un PC, il a le typhus, le premier PC qui a attrapé un virus organique. Son PC a planté 60 fois en 60 minutes. Ouais, moi je vous laisse les gars, je me plaisais. À tout à l'heure. Ensuite, son PC, le clavier, il est fait en bois. Il les touche, je sais pas, ses tentacules de poulpe, il arrive pas à les toucher. Bon, maintenant que t'as dit ce que tu voulais dire, revenons au build. Attends, mais s'il va se coucher, il revient au moins ou pas? Oui, il revient. Attends, on en parle que celui qui est censé nous rattraper le plus de points est parti dans... Ah ouais, non, vas-y. Un message, Kendall, c'est là, ni lui ni connu. Mente son perso, là. On ne dira rien, je ne dis rien. Céline, ça va pas se voir. Ça va pas se voir, je prends le replay du live d'Iris, je le mets sur ta webcam de live. Et on fait croire que c'est toi. On fait croire que c'est Iris. Il te donne la clé. Oh putain. Ça bon. Va pas se voir. Du coup, le sujet, il est toujours pas évoqué. Non. Moi, je suis sincère. Moi, les gars, là, au bout d'un moment... Ça discute, je me suis beaucoup investi quand même, mais ça me fait chier que vous arrêtez là. On va pas arrêter, Seven, la question c'est quand est-ce qu'on reprend. Seven, regarde le bâton que j'ai trouvé, je crois qu'il... Ouais, on arrête quoi. Regarde mon bâtonnasse, mon poteau. Il fait du plus 29. Si tu as un item qui te permet de réintégrer l'aspect de contrôle. J'entends bien, mais à côté tu as 50%. Ça va, on a compris que eux ils jouent, nous on parle, mais nous on prend du kiff. Cet événement avant tout c'était un événement fun. Bon, j'ai mis un cash prize en plein milieu, je suis une merde, c'est pas grave. Mais est-ce que finalement on passe pas un bon moment? La run est différente, mais on est entre amis, on plaisante. Arrêtez de juger que le gameplay, oui c'était un événement hardcore, ben oui on a perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on va pas se démolir la santé, mon frère. L'autre, on va le retrouver à l'hôpital psychiatrique si je le force à jouer. Donc on va rester doucement et on rigole. Et on a fait du talk show pendant 1h30 parce qu'on vient du sud et qu'on rigole. On est là pour vous donner du piment dans une run qui est explosée. Et si on peut pas... Je t'explique, regarde-moi bien. Quand tu coupes une pizza et que ta pizza tu la coupes pas en 8, que tu t'es foiré, qu'il y a un trou, eh ben ton client il est pas content, ta pizza elle est pas bien faite. Eh ben tu vas lui trouver une escarmouche pour lui... Tu vas lui offrir une canette de coca. Voilà, quand t'es pas capable, tu donnes autre chose. Eh ben nous on était pas capable de faire une bonne run, et bien à ce moment-là on vous offre du design, on vous offre de quoi rigoler. Ben voilà, j'espère que c'était bon. Voilà. Ouais, mais est-ce que mon bâton est bon? Est-ce que c'est un bâton de bon ton?
casse les couilles. Ton bâton, déconnecte, j'en ai pas les couilles. Ouais. Ah, toi aussi, tu te déco, sans déconner, tu vas venir jouer là, quoi. Ça déco à qui mieux mieux, en fait, vous êtes des lâcheurs. Hein. Moi, je m'en fous. Ah, je suis pas un lâche. Oh merde, mon jeu crash. J'ai une erreur 404, je crois que je peux plus lancer le jeu. What the fuck, j'ai plus le jeu sur mon bureau. Vous savez quoi, on finit ça en message écrit, je vais me prendre une douche, je vais manger, je réfléchis au sens de la vie et on étudie la chose. Ah bah ça tombe bien parce qu'ils sont tombés sur un butcher, du coup ils ont le lead des butch. Vous avez infligé 50% supplémentaire aux cibles immobilisées, étourdies et gelées. Je sais pas celui-là. Parce que c'est un aspect gravé. C'est un aspect que tu as récupéré sur un objet. Parce qui que de là, base fait des... 25%, tu as vu ? Ça vaut quand même. Ça me finit, genre. Oui, ça. Oui, ça vaut le coup. C'est ce que je déteste dans les événements communautaires quand t'as les viewers qui viennent rapporter à leur streamer en mode. Ouais, ça FF en face sévère, chapeau, en mode genre. En mode, mon dieu, c'est infernal. Alors que frérot, je pense qu'on n'a jamais été aussi heureux que pendant cette run. Genre, ça casse les couilles, les viewers premier degré de partout, mec. Frérot, Dieu qui donne. Fin de mission, pas du tout, on va tout simplement faire une pause. Ça arrive. Messieurs, dames, on va simplement faire une pause. Messieurs, dames, on reprend à quelle heure, du coup? Ouais, moi je prouve que c'était pas motivant, moi j'arrête. Allez, let's go. Petite musique, best workout musique mix 2023. Merci pour la réponse. En gros, oui. Oui, exactement, parce que c'est une arme de main, donc tu peux remplacer ton arme. Oui. Bah, j'y vais là, ça vaut le coup ça. Tu gagnes 16%, tu gagnes 22%. Et l'autre, tu avais quoi? L'autre, regarde, c'est ça. Hein. Moi, je trouve que ça gagne hein, quand même. Hein. Allez, Seigneur Stig qui est reparti pour faire la consolante. Ça bouge pas. Elle est 16%. Tous les messages motivants. 28 à toutes les. Ouais, change, c'est mieux. Le nouveau, il est mieux. Non, bah après, en vrai, les gars, juste, je pense, déjà, vous kiffez la run. Moi, je me suis régalé. Honnêtement, vos audiences, elles kiffent aussi la run. Genre, essayez juste de vous pousser en mid-max, tu vois, genre, même si la victoire, à part si un miracle. Moi, je veux jouer là. Eh ben, joue, vas-y, régale-toi. Ok, super, je suis tout seul. Mon équipe de 4, c'est devenu une équipe de 1, quoi. C'est comme si ma table de fromage, j'ai plus de fromage. Je te propose un plateau de fromage, j'ai plus de fromage. Voilà. C'est fromage-less. C'est bien ça? Et pourquoi je peux pas le désenchanter, lui? Tous les objets, excepté. Oh putain, je lag, dis. Bah écoutez, moi je cut, on se tient au jus par Discord, on peut pas vous donner d'heure de suite, on vous tient au jus. Et je vais prendre soin de la santé mentale de mon ami Iris quand même, parce que bon, son épreuve elle était pas facile. Tranquille. Pourquoi ça marche pas, copain? Ah putain, je lag hein. Oh, je me suis fait un bâton, mon pote, je bâtonne avec hein. J'ai tout mis dedans. Mais moi je continue, voilà. Les gars, on se tient au jus sur la combo. Vas-y, ça marche, mec. Andor, tu joues avec moi ou tu es seul? Non, mais moi je suis obligé aussi, tu déconnes ou quoi? Je suis au bout de ma vie. Et mon vieil. Ouais, mon vieil, bah oui. Oh mon vieil, vous êtes tous des putains de lâcheurs, vous êtes des. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes une génération de fragiles! Dès qu'il y a un truc qui va pas, ça chiale, ça chouine, ça dit non, j'arrête. Il n'y en a pas un qui tape dedans, aucune résilience. Vous m'avez pété les burnes. Et la très bonne soirée à toi aussi, Bob. Vas-y, à toutes.